Les coulisses du CCI de Saumur vous sont présentées par EquiTV en partenariat avec la Sellerie Buté. Le CCI de Saumur regroupe les plus grands cavaliers du monde. Andrew Nicholson, numéro 1 mondial de la discipline, est cette année encore fidèle à l'événement. En cette première journée de dressage, nous avons rencontré sa groom, Annabelle, qui travaille à ses côtés et participe activement à sa réussite. Alors, le métier de groom, ça consiste à s'occuper des chevaux, bien entendu, au quotidien, mais aussi de gérer tous les écuries, le fonctionnement des écuries, que tout tourne bien. Je sais que moi, j'ai 25 chevaux à la maison et un staff de 6 personnes. Donc ça fait beaucoup de choses à gérer. Organiser tout ça, organiser la sortie des chevaux, leur confort, qu'ils soient tous bien soignés, bien toilettés tous les jours. Permettre aux cavaliers de pouvoir monter ses chevaux sans se soucier en permanence de savoir s'ils vont bien, s'ils vont pas bien. On fait un bilan évidemment tous les soirs. Ce cheval-là, il a ça, ce cheval-là, il a ça. Et qu'il sache et qu'il vérifie, qu'il aille voir si tout va bien. Okay. Au quotidien, on va commencer par nourrir les chevaux, faire les boxes. On a des chevaux qui dorment au pré, donc on va rentrer ces chevaux-là du pré. Et ensuite, quand la journée commence, ils vont travailler, aller au marcheur, aller au pré, au solarium. Et ensuite, ils ont un pansage complet lorsqu'ils ont fini leur journée. Puis tous les jours, il y a l'entretien à la maison, l'entretien des écuries, des carrières, du marcheur, de tout ce qui va autour. Les cuirs qui sont faits tous les jours, nettoyés tous les jours à fond. Et en concours, ils sont faits plusieurs fois par jour. Une fois qu'il a fini de monter, je vais renettoyer tout le matériel. Pour plusieurs raisons, hein, qu'il dure longtemps, qu'il soit bien entretenu et aussi pour l'esthétique. Voilà, faut que ce soit... que ce soit propre, tout simplement. Et voilà, et après, le soir, et ben pareil, refaire les box, vérifier qu'ils aillent bien, vérifier les jambes, on touche les jambes. Voilà. En gros, c'est ça. C'est un peu une vocation. Ça demande beaucoup de temps. Beaucoup d'investissements. Ouais, beaucoup d'investissements, beaucoup de rigueur, il faut qu'on soit tout le temps là. Et comme je disais tout à l'heure, on veut toujours que nos chevaux soient le mieux possible, se sentent le mieux possible, soient les plus beaux, soient les plus... Ouais. Oui, ça demande un peu d'exigence.